Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Notre monde est un monde en souffrance. Derrière les nouvelles du jour, nous savons que la douleur et la souffrance sont énormes. Derrière les visages et ce qui nous entoure, dans nos propres vies, nous savons qu'il y a la souffrance et la douleur. Notre monde n'a pas de solution pour guérir celle-ci. Alors on se range pour continuer de vivre avec. Pire, on méprise la faiblesse. On devient maître dans l'art de faire semblant que tout va bien. Dans Ésaïe 53, versets 3 à 4, le prophète nous enseigne que Jésus offre une solution concrète et merveilleuse à la souffrance. Je lis. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. D'abord, Jésus partage notre souffrance. Voyez comment il est entré dans notre monde et on a fait l'expérience dans sa chair, dans son âme, seul, abandonné, méprisé de tous. Sache déjà, chrétien, si tu souffres, que Jésus sait exactement ce que tu traverses. Mais encore plus que cela, dans ce chapitre, Ésaïe nous présente la solution divine par laquelle Jésus échange la vie brisée et corrompue que nous vivons contre une nouvelle, pleinement guérie. Et le verset 4 nous apprend que Jésus a pris nos souffrances. Il les a enlevées notre compte, il s'est chargé d'elles à notre place. Là où la douleur et la souffrance nous clouent au sol dans la vie, comme un énorme rocher qui nous empêche de nous redresser, à la croix, Jésus les soulève et les place sur son propre dos. Et de manière utile, cela sera vrai dans son royaume à venir. Jésus en donne avant-goût lors de son ministère terrestre, en Matthieu 8, et versets 16 et 17. On lit, le soir venu, on amène vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chasse les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Quand Jésus a ainsi guéri les maladies spirituelles et physiques, ses actes ponctuels proclamaient une réalité future qui est garantie par sa mort sur la croix. Ainsi, chrétien, si tu souffres dans cette vie, tu peux être certain que dans le royaume à venir, cette douleur n'existera plus, que tu jouiras de la vie pleinement restaurée que Jésus a inaugurée en écrasant le péché à la croix. Et voici notre espérance alors. Notre Sauveur comprend et marche avec nous maintenant et nous promet la délivrance future, car il a pris sur lui nos souffrances et nos douleurs. Nous sommes aussi alors porteurs d'un message d'une importance capitale que nous pouvons offrir à ce monde en souffrance. Invitons-les à venir à Christ. Jésus s'est chargé de nos maux. Il nous accompagnera en attendant son retour.